Good morning les gens, regardez, c'est l'heure du petit déjeuner. Je sais pas trop ce que je vais faire ce matin, si je prends du salé ou du sucré. C'est le dilemme de chaque matin. Mon dieu, j'ai des problèmes dans la vie tellement graves. Je vais voir. Ici là, c'est le vegan et il y a souvent des trucs super bien. Franchement, j'hésite. Bon voilà, ce matin on part sur un petit déjeuner qui avait... Je savais pas trop ce que je voulais. Du coup j'ai pris un peu de fromage, des œufs, une petite brioche et un peu de pain. Je vais voir un petit peu ce que je mange. J'ai pris un petit smoothie aussi, avec de la banane, des épinards, du citron et de la pomme je crois. Et un petit thé à la menthe ici. Là on est parti sur autre chose, hein. Totalement sur du salé, 100% salé. Pour une fois c'est vrai. C'est beau le soleil qui reflète sur l'eau, regarde. On dirait une vieille qui dit ça. J'adore. Ouais, aujourd'hui on va peut-être pouvoir se baigner, hein, dis donc. On se dit pas que l'eau sera plus chaude, mais bon, voilà. Hein. Puisqu'on a toujours notre petit challenge, là, le mollo et franco. On va voir ça. Bon les amis, on vous avait dit il y a quelques jours, il y a combien de jours d'ailleurs? C'était pas hier, c'était avant-hier alors. Ouais, avant-hier on vous avait dit la piscine, franco ou mollo. Bon, ça vous étonne absolument pas, vous avez dit franco. Parce que vous savez pas à combien elle est l'eau, c'est pour ça que vous avez dit franco, sinon je suis sûre que vous auriez dit mollo. Donc je me suis mis en maillot de bain et puis bah on va vous montrer ce que ça donne. J'en ai profité en fait pour le faire aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'il y a un peu de soleil. Et je me suis dit au moins ça m'évite de mourir de froid. Donc j'ai peur quand même. Quoi un peu comment sinon? Bah c'est pas comme ça. 3 degrés. Bon les amis, ça y est, on est sorti du spa. Donc ce matin, on a fait le hammam. Après, on a fait, ils nous ont mis de la boue d'algues sur nous. On a attendu, je crois, 5-10 minutes, puis on s'est rincé. Ensuite, on a été dans une grande baignoire à deux. En plus, c'était trop mignon, la femme nous avait mis des fleurs et tout, trop gentil. Et là, bain de bulles et tout avec du sel, super cool. Et en dernier, le massage. Donc là, c'était un massage un peu différent. Je pense que ça dépend des masseuses aussi. Et c'était super sympa. Donc je suis encore un peu huileuse, mais il faut le temps que l'huile pénètre. Mais ma peau, elle est tellement douce. Franchement, je vous conseille vraiment de le faire. Elles sont super gentilles. Elles vous guident bien. Au début, moi, j'étais un peu perdue. Genre, je suis pas habituée. Mais vraiment, non, elles sont super cool. Et en plus, vous pouvez faire ça en duo. Parce que moi, j'ai fait ça avec mon chéri, du coup. Donc voilà. Bon, après, il n'y a plus de respect dans les cheveux. On est d'accord, mais...